Bonjour à tous, c'est le Dracula qui vous parle. Donc pour la suite de notre calendrier de l'Avent Lego Friends 2013, voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, on est le 21. Le 21, c'est ici, donc la dernière case qu'on n'a pas encore ouverte de la rangée du haut. Mais souvenez-vous, hier, on était le 20, et qu'est-ce qu'on a eu hier? Eh bien, on a eu un sapin de Noël. Oh là là, Noël. Les fêtes en famille, sous le sapin, avec sa petite étoile. Voilà, donc c'était tout carré, on a bien aimé, on l'a même mis sur patin à glace, quitte à faire. Allez, hop là, vas-y, va t'amuser, va faire des doubles Axel. Donc, aujourd'hui, 21, on va ouvrir, on va voir ce qu'on a. Et puis, bah, écoutez, peut-être qu'on aura quelque chose de bien, ou peut-être pas. C'est ça, c'est la surprise. Allez, voilà, comme ceci. Hey. Hop. Et aujourd'hui on a des trucs. Oui, des trucs. C'est ce que je préfère dans les calendriers de l'Avent. C'est des trucs. Donc bah on aura des trucs. Donc bah écoutez, on va monter ça et puis bah, on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Ça c'est là, bien sûr, c'est la meilleure surprise dans le calendrier de l'Avent. Comprendre ce qu'on a eu le jour même. Voilà. Donc je suppose que ça viendra s'ajouter à un jour au 22 peut-être, hein, on aurait une continuité de ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors, je vais peut-être pas essayer de trop me mettre en avant parce que souvent on voit ma vieille tronche et ma vieille barbe mal rasée et c'est pas très très propre, je vais vous avouer, hein. Ouais. Non. Par contre, ah. Oh d'accord, c'était, je voyais pas que c'était du noir. Donc, je vais prendre cette petite piécette, donc comme ceci. Voilà. Puis après, donc, du trans-neon green qu'on va mettre ici. Puis du trans-orange qu'on va mettre là. Puis après, du noir. Pas transparent du tout, juste du opaque. Et donc, on a ça. Voilà. Vous êtes contents? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, eh bien, on va avoir une partition, comme vous pouvez le voir. Donc, dans quel sens ça se met, ça tient, voilà. Une pièce imprimée avec une partition de musique. Donc c'est plutôt cool. Avec des papillons forcément, des chez Friends. Hein, voilà. Et après, ben, on va mettre ça, donc cette caisse-là, une deux fois une avec une accroche, donc pour entre guillemets main de minifie, hein, et une fois deux pour remplir cette partie-là. Et voilà. Et donc là, on a donc une partition que peut tenir une figurine Friends ainsi que une lumière, je sais pas, non. Et d'ailleurs, il faut noter ce qui est intéressant. Ça, c'est donc les deux éléments du jour. Hein. Voilà, bravo, cadeau, vous êtes content. En pièces supplémentaires, eh bien, on a toutes les pièces pour pouvoir refaire une petite, entre guillemets, lumière. Voilà, comme vous pouvez le voir. Vu que forcément, ça, c'est des pièces qui reviennent obligatoirement en pièces supplémentaires, eh bien, vous pouvez en faire deux, quoi. Donc, vous avez à nouveau une petite pièce trans-orange, une trans-green, une noire, et la petite pièce, entre guillemets, poignée. Voilà. Donc, si vous voulez en refaire deux, vous pouvez vous amuser, vous éclater. Le fun le plus total et inconditionnel. En attendant, nous, on va pas en faire deux, on va plutôt mettre ça dans les pièces supplémentaires. On va régler le focus pour qu'on soit tip-top. Et on va refermer la case aussi. Et on va essayer de caser ça quelque part. Et on aura fini donc la vidéo du jour. Parce que oui, bah, au final, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein, c'est un peu tristouné. Alors, par contre, toi, voilà, comme ceci, c'est gentil, merci. Bah, où est-ce qu'on peut mettre ça? Parce que j'ai déjà pris la table pour mettre mon dock smartphone. J'ai dire téléphone portable. Téléphone portable, c'est SO 1990. Maintenant, c'est smartphone. Donc, bah, oui, pourquoi est-ce qu'il y a une partition alors qu'on n'a pas encore d'instrument de musique? Est-ce qu'on va construire un instrument de musique le 22, le 23 ou le 24? Je me le demande. Bah, je vais quand même pas mettre ça en plein milieu du truc, là où ils sont censés mettre leur ski. On va mettre. Oh. On va mettre, non, on va pas mettre ça par terre sur la neige, c'est vraiment débile quoi. On va mettre ça ici, voilà, parce que c'est la seule vraie table que je peux voir à disposition. Et donc cette chose-là, bah, j'en sais rien moi. J'en sais rien du tout. On va mettre là en attendant, parce qu'on va mettre. Ah mais c'est pas possible de glisser comme ça là. Il y a du verglas sur le truc, bref, comme ceci. On va mettre ça ici et puis on attendra de voir effectivement si on peut compléter cet élément avec un autre élément pour former une combinaison de deux éléments. Et oui, faites vos maths, c'est utile dans la vie. Et on va citer là-dessus. Donc bah, écoutez, questions, commentaires, suggestions, démarches philosophiques, allez-y. Je lirai, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous on se revoit demain, donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Puis bien sûr, on aura demain une vidéo, mais on aura aussi peut-être pas que des vidéos qui rentreraient de l'avant, hein. On verra, vous verrez bien. Allez, on se quitte là-dessus et à la prochaine. Salut à tous!